membre de la direction du Fonds populaire ivoirien, honorable député Mouté Ilosa, monsieur Aka Ekoukou Maxi, représentant du délégué départemental du PDCI, et tous les camarades qui vous accompagnent. Ah, c'est le micro, hein, c'est pas moi. Camarade Bodiga Ismaël, secrétaire général de la Fédération du Port Boué, camarade militant, camarade militante, population de Port Boué, je voudrais vous saluer pour votre présence abondante ici cet après-midi. Je vous présente mes excuses à vous tous de n'être pas passé serrer les mains à tous ceux qui sont là, mais bon, mon pied a crochet et donc je vais vous parler assise. Mais c'est avec beaucoup de joie que je me retrouve parmi vous. Félicitations au secrétaire de section, félicitations aux membres de leur bureau, félicitations à vous tous qui venez d'être investis. Par les temps qui courent, acceptez d'être secrétaire de section, c'est quelque chose de très important. Il y a eu une époque, 90 jusqu'à même 2000, c'était un honneur d'être élu secrétaire de section. Mais aujourd'hui, être élu secrétaire de section, c'est une marque de courage. Alors je vous dis que Dieu vous donne la force. Que Dieu vous garde. Qu'il soit lui-même votre rocher. Qu'il soit lui-même votre forteresse. Qu'il habite en vous en permanence. Et qu'il vous donne la sagesse. Qu'il vous donne le savoir-faire. Qu'il vous donne la victoire. Et qu'il fasse de vous des agents de paix et de réconciliation dans toute la Côte d'Ivoire, en commençant par Port Boué. Vous êtes de Port Boué. Vous êtes donc ceux qui habitent tout près de l'aéroport qui voient les avions atterrir de partout dans le monde. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Pour ça. Les hommes là, ils font beaucoup de bruit, mais je sais pas. Les femmes, est-ce que vous avez bien attaché vos kaiwa? En tout cas, le président Laurent Gbagbo,
là où il est là. Il se porte bien, il est en forme, il est debout, il est en route. Si vous n'êtes pas prêt à les autres qui arrivent pour l'accueillir là, ils sont comme la vague de mer qui roule, qui roule, qui roule. Il va vous dépasser, récupérer Babo Laurent et partir avec lui. Donc soyez prêts. La cour nous a donné rendez-vous pour ces temps-ci-là. Il n'a pas donné de jour. Voilà. Donc, on dit il faut rester éveillé. Il faut que vos lampes soient allumées. Venons d'achever l'investiture. Alors tout à l'heure, je posais des questions à votre fédéral. Quand vous avez donné, il a donné des chiffres, il y a tant de sections, il y a tant de comités de base. Moi, ce que je regarde, c'est les bureaux de vote. Est-ce que tous les bureaux de vote ici sont pris en compte pour être géré correctement? Est-ce que les électeurs qui vont aller voter ce jour-là dans les bureaux de vote sont déjà entièrement identifiés par les membres des comités de base pour pouvoir déjà les démarcher, pour déjà leur parler, déjà leur vendre le candidat du Front populaire ivoirien? Parce que ce jour-là, là, quand on va sortir, hein, on va prendre notre candidat élu et puis on va courir, courir, courir dans tout Port-Boué. On va dépasser même les PDC. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Alors je voudrais faire quelques rappels quand même. Je voudrais dire ce que vous savez déjà. C'est que 2020 est une année électorale. Et quand on est en année électorale, ça rend encore plus grande les responsabilités. Et ça va rendre plus complexes vos tâches. Responsabilité et tâches. La première chose, c'est vous ressourcer. La première chose, c'est vous replonger dans la vision du Front populaire ivoirien. FPI là, comment nous-mêmes nous envisageons la Côte d'Ivoire aujourd'hui, demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Comment nous voulons que la Côte d'Ivoire soit? Quel genre d'ivoirien doit peupler la Côte d'Ivoire? Développement, quel équipement nous voyons pour la Côte d'Ivoire? Pas aujourd'hui seulement, mais pas dans 5 ans seulement, mais dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, où nous serons en train de gérer
la Côte d'Ivoire, génération après génération, quelle Côte d'Ivoire. C'est ça que j'appelle la vision. Quelle valeur nous voulons voir nos enfants développer? Est-ce que nos enfants doivent être des microbes? Est-ce que nos enfants doivent être des vendeurs et des consommateurs de drogue? Est-ce que nos enfants doivent être des analphabètes au niveau de l'informatique? Est-ce que nos enfants doivent être des tricheurs, des voleurs, des mendiants? Est-ce que nos enfants doivent être des gens qui sont complexés, qui ont peur des blancs, qui sont intimidés par les blancs, qui sont intimidés par les étrangers? Nous devons nous replonger dans la vision du Front populaire ivoirien pour la Côte d'Ivoire. Deuxième chose, ça le fédéral l'a bien compris. Nous devons structurer nos sections efficacement. Nous devons les consolider. Nous devons rendre nos sections dynamiques, performante, excellente. Et nous devons, ici à Bobo, comme dans toute la Côte d'Ivoire, on va faire mon analyse psychologique interne. Hein? Non, hein? Ici, on a... ou à Bobo, c'est pareil. On est même... Donc je disais, ici, à Port-Boué, comme dans le reste de la Côte d'Ivoire, nous devons mailler. C'est-à-dire, vous voyez les filets de pêcheurs là, vous avez vu les mailles là, nos sections, nos comités de base doivent être comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas un point important où on n'a pas un comité de base. Il n'y a pas même un campement où il n'y a pas de comité de base. Nous devons mailler la totalité de nos territoires. C'est comme ça que nous allons rendre nos sections efficaces. Mais en plus de... La crise là, quand on l'examine bien, la crise nous a smatché. On est d'accord? La crise nous a matraqué. On est d'accord? Mais si vous regardez bien, la crise là, à cause de la façon dont nous avons su résister à la bourrasque, à la tempête, nous avons acquis la sympathie de moins la moitié de la population ivoirienne. Aujourd'hui, nous sommes l'espoir de toute la population ivoirienne pour la Côte d'Ivoire de demain. On est d'accord avec ça? Et c'est pour ça que nous avons su. Le président Bagbo l'a su ouvrir la porte pour accueillir le PDCI. Pour que nous allions ensemble dans un même mouvement. Une lame vocabulaire de pêche, on appelle ça une lame de fond. C'est-à-dire l'eau qui est au fond de la mer. On va chercher cette eau-là, on soulève cette eau. Et quand on soulève cette eau-là, qu'elle s'abat sur la terre, il n'y a rien qui peut résister. C'est ça. FPI a
avec le PDCI à côté. Si quelque chose peut encore nous résister, alors moi je vais encore crier oui. Oh, rock sur les espoirs. Nous devons préparer les militants, nous devons préparer les sympathisants, nous devons préparer les Ivoiriens à toutes les batailles futures. Nous devons les préparer, parce que les batailles sont grandes. Les batailles sont très grandes. Je n'ai pas besoin de donner des détails ici, on se comprend très bien. Le résultat, c'est d'arriver à mettre à la tête de notre pays un pouvoir, une équipe qui est digne, qui est patriote, qui est compétente, qui est excellente, qui est travailleuse, qui est ingénieuse, qui est créative et qui peut faire que la Côte d'Ivoire dont nous rêvons là, elle voit le jour effectivement. Et le temps de cette Côte d'Ivoire là est arrivé. Nous, nous devons nous lever. Et nous devons lever les Ivoiriens. Pour ça là, pour pouvoir mener à bien ces missions et ces tâches là, il y a des qualités et il y a des valeurs qu'il faut que vous cultiviez obligatoirement. Le temps des babadages, puis des grands discours, le temps là est passé. Aujourd'hui, ce que moi je cherche là, c'est des Ivoiriens compétents. C'est des Ivoiriens compétents. C'est des cadres compétents. C'est la première valeur. Au poste où tu te trouves, tu dois être compétent. Si tu es vendeuse de d'Acheke, ton Acheke là doit être excellent. Si tu es tresseuse, tes tresses doivent être excellentes. Si tu es infirmier, la manière dont tu fais tes injections là, ça doit être excellent. On doit quitter partout dans parcours là pour te chercher parce que toi, tu es un infirmier compétent. La deuxième valeur, la deuxième qualité, c'est l'intégrité. C'est la fidélité. C'est la loyauté. Intégrité, fidélité, loyauté à la nation ivoirienne, à la Côte d'Ivoire. Troisième qualité, la capacité de résister aux gains malhonnêtes. En Côte d'Ivoire ici là, si on avait tous cette capacité, il n'y aurait pas eu la guerre ici. On doit développer ça. Et ce n'est pas seulement ceux qui sont à la pointe de responsabilité, hein, mais même les petits là, qui va à l'école, qui va chercher à baratiner son professeur pour avoir les notes. Lui là, il doit déjà apprendre l'intégrité, la fidélité, la loyauté, l'incorruptibilité. Une autre qualité à laquelle je tiens énormément, c'est la crainte de Dieu. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu, il n'a qu'à sortir du FBI. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu n'aura pas la crainte de son prochain. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu ne résistera pas à l'argent malhonnête. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu n'aura pas peur de venir la nuit pour tuer son voisin pour prendre son argent. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu
n'aura pas peur d'aller prendre des armes pour venir prendre le pouvoir. La crainte de Dieu. Et puis d'autres qualités qu'il faut développer encore, savoir déléguer son pouvoir. Ça, c'est en tant que chef, vous devez apprendre à déléguer vos pouvoirs, à faire confiance à vos camarades, à vos collaborateurs. Et puis être assidu au travail, être ponctuel aux réunions. Tout ça, ça a l'air de détails, mais c'est très important. Nous sommes dans un moment important. Nous sommes dans un moment où des grandes nouvelles nous parviennent tous les jours. Jeudi dernier, nous avons appris que M. Alassane Ouattara ne va plus être candidat pour les présidentielles en Côte d'Ivoire pour un troisième mandat. C'était le jeudi 5 mars. Frère, cette décision-là, c'est une décision très importante. C'est une décision très courageuse de sa part. Mais pour la nation ivoirienne, c'est une décision salutaire. C'est une décision qui va contribuer à consolider la démocratie en Côte d'Ivoire, à consolider le respect de nos textes fondamentaux en Côte d'Ivoire, et à consolider la paix de cœur en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que, de la même manière que je l'ai salué, M. Alassane Ouattara, et je l'ai remercié d'avoir pris l'ordonnance d'amnistie qui nous a rendu la liberté en août 2018. De cette même manière, aujourd'hui, je lui adresse mes félicitations. Et je lui adresse mes remerciements pour cette décision forte qu'il vient de prendre. Mais aujourd'hui, nous sommes malheureusement obligés de reconnaître et d'affirmer que le dialogue sociopolitique organisé autour des élections de 2020, que ce dialogue-là a échoué complètement. Et en ce moment-ci, nous constatons que le gouvernement a décidé de faire cavalier seul dans des réformes qui sont des réformes partisanes. Au niveau de la CEI, le gouvernement a mis en place une commission électorale non consensuelle, taillée à sa mesure. De sorte que la CEI actuelle est déséquilibrée gravement au profit du RHDP. Sur 15 membres de la CEI centrale, le RHDP lui seul compte 11 membres. Sur 520 CEI locales, le RHDP préside sur 540, pardon, CEI locales. Le RHDP lui seul préside 520 CEI.
C'est inacceptable. Monsieur Alassane Ouattara a annoncé qu'il va prendre une ordonnance pour ajouter un poste supplémentaire pour l'opposition représentée à l'Assemblée nationale, à la CEI centrale. Mais ça va changer quoi? C'est une mauvaise réponse à la question du déséquilibre que nous soulevons depuis. Vous voyez, ce n'est pas acceptable. La question ici, ce n'est pas une affaire de un poste en plus qu'on va ajouter, deux postes en plus qu'on va ajouter. C'est une question d'application de l'arrêt du 18 novembre 2016 de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il y avait injonction au gouvernement de faire une réforme en profondeur de la CEI pour que la CEI soit effectivement un organe indépendant. C'est ça qui est le problème. Et nous attendons encore une réponse courageuse de la part du gouvernement. Depuis le mardi 3 mars, M. Alassane Ouattara a enclenché un processus de modification de la constitution de notre pays. Et il annonce que ce processus de modification va s'achever le mercredi 18 mars 2020, c'est-à-dire bientôt là. À 11 jours exactement, une nouvelle constitution nous sera imposée. Et les réformes qui sont annoncées, on ne les connaît pas toutes, hein, mais les quelques-unes dont on a entendu parler, parlent de la nomination désormais du vice-président par le président élu. C'est-à-dire que désormais, ça ne va plus être un ticket qui va aller à l'élection. Le président et son vice-président. Mais désormais, le président va être élu seul. Et puis, une fois élu, il va venir et puis il va nommer son vice-président. Deuxièmement, deuxième réforme dont il a entendu parler, il a parlé de la continuité parlementaire en cas d'impossibilité d'organiser des élections parlementaires. Mais ce problème-là, c'est un vieux problème. Quand en 2005, le président Laurent Gbagbo, alors au pouvoir, n'a pas pu, avec la CEI d'alors, organiser des élections en Côte d'Ivoire pour renouveler les instances, renouveler le Parlement. Parce qu'on avait à cette époque-là une loi qui disait que quand le pays est occupé, alors il est interdit d'organiser des élections. Donc en 2005, on n'a pas pu organiser des élections. Et donc, les députés dont le mandat arrivait à leur terme en fin 2005 n'ont pas pu aller de nouveau aux élections pour renouveler leur mandat. Et il y a eu débat à cette époque. Et à cette époque, il y en avait qui exigeaient que l'Assemblée nationale soit dissoute parce qu'on était arrivé à la fin du mandat électif des députés. Il a fallu se battre. Il a fallu
discuter. Finalement, on a dû faire appel à monsieur. Comment s'appelle le président? Non, le président d'Afrique du Sud à l'époque. Thabo Mbeki. Moi, j'ai dû aller rencontrer M. Thabo Mbeki au Libéria pour exposer ce problème. Le président du Nigeria lui-même à l'époque, Obasanjo, il a fallu le faire venir en Côte d'Ivoire pour discuter de cette question jusqu'à ce qu'on obtienne que l'Assemblée nationale demeure en état jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire soit capable d'organiser des élections. Vous voyez, le principe c'est ceci. Quand les députés sont élus, ils restent députés jusqu'à ce que de nouveaux députés soient élus. Et quand de nouveaux députés sont élus et qu'ils viennent occuper des sièges, alors ceux qui étaient là avant, leur mandat prend fin. Mais en 2010, est-ce qu'il y a eu des élections des députés? Et pourtant, le président Alassane Ouattara qui parle aujourd'hui, là, à cette époque-là, il a décidé que l'Assemblée nationale ne devait plus fonctionner parce que lui, il avait pris le pouvoir. Et il a fermé l'Assemblée nationale d'autorité. Aujourd'hui, il recourt maintenant au même principe pour dire que si, en 2020, là, pour une raison ou pour une autre, on n'arrive pas à organiser d'élection en Côte d'Ivoire, alors les députés doivent demeurer députés jusqu'à ce que des élections soient organisées. Est-ce que vous voyez? Quand on combat, quand on mène des activités politiques, quand on propose des choses pour la vie du pays, on doit parler avec sagesse. On doit passer au lendemain. Parce qu'aujourd'hui, tu es dans une situation, demain tu peux te trouver dans une autre situation. Aujourd'hui, on veut maintenant nous imposer la continuité parlementaire. Mais si on nous impose la continuité parlementaire aujourd'hui, alors tous les députés de 2000 dont le mandat a été écouté en 2010 doivent percevoir les arriérés jusqu'à la date où les élections se sont déroulées en 2000, c'est en fin 2011 les élections. Donc jusqu'à fin 2011, décembre 2011, au moment où les élections se sont déroulées, les députés doivent être payés jusqu'à cette date parce que leur mandat était encore en cours. La continuité parlementaire. La continuité parlementaire, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de raisonnable. Donc, personne ne peut être contre la continuité parlementaire. Mais quand on l'applique, on doit l'appliquer de façon juste. Mais le peuple veut savoir quels sont tous les autres articles qui sont concernés par cette réforme constitutionnelle. Parce que la constitution, là, elle émane du peuple. La constitution émane du peuple. C'est pour ça que dans la constitution de 2000, il y avait certains articles qui concernent des questions importantes et il était écrit que pour ces questions-là, il fallait aller consulter le peuple de façon directe. Aujourd'hui, les députés vont s'asseoir à l'Assemblée nationale pour décider qui peut être candidat en Côte d'Ivoire.
Jusqu'à quel âge on peut être candidat en Côte d'Ivoire? Combien d'argent on doit déposer comme caution pour être candidat en Côte d'Ivoire? Sans que le peuple soit consulté. Le peuple de Côte d'Ivoire veut savoir quels sont tous ces articles-là qui vont être objet de modification. Et le peuple de Côte d'Ivoire veut donner son avis par lui-même et non pas uniquement par ses représentants à l'Assemblée nationale. C'est le député, il faut m'excuser. Hein, mais... Nous autres qui avons donné mandat aux députés de nous représenter, nous disons que si c'est un sujet, nous voulons nous-mêmes donner directement notre point de vue. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette précipitation à modifier la constitution du pays à quelques mois des échéances électorales? Ça nous donne l'impression que il y a des plans cachés qui sont peut-être des plans B, comme dit mes camarades là-bas. Ça nous fait peur, parce que ça nous donne le sentiment qu'on se prépare à quitter le processus électoral, à mettre hors jeu certains candidats concrets, à assurer la victoire uniquement à son parti, comme si le match se déroulait, comment vous dites ça, le footballeur, sur tapis vert, sur tapis vert. Oui, Claude. Bien que les discussions avec l'opposition significative sur le code électoral, bien que ces discussions-là aient échoué, le gouvernement insiste pour y apporter ses propres modifications. Et c'est donc ces propres modifications-là seront unilatérales, elles seront non consensuelles. Et c'est tout ça là qui nous fait craindre que nous avançons vers une situation de non-droit. De non-droit, mais absolu. Et que ça ne dure rien de bon pour ce pays qui pourtant a déjà beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Et qui aujourd'hui ne veut plus connaître toutes ces graves fatigues, ces graves difficultés, ces traumatismes qui ont été vécus il y a quelques temps. La dernière question que je vais soulever sur cet axe-là, c'est la question de la carte nationale d'identité. En tout cas, le pays vous invite à aller vous faire établir vos cartes nationales d'identité. La carte nationale d'identité est une pièce qui n'a rien à voir avec les élections. C'est une pièce d'identification. Et en tant que tel, chaque citoyen ivoirien a le droit d'avoir une carte nationale d'identité. Chaque citoyen, je dis citoyen ivoirien. Chaque citoyen ivoirien a le droit de posséder sa carte nationale
d'identité. Et en même temps, je dis, chaque citoyen ivoirien a donc le devoir de se faire établir sa carte nationale d'identité. Si vous n'avez pas de carte d'identité, vous pouvez être dans les problèmes. Écoutez-moi bien, parce que je vois qu'il y a le silence, parce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais suivez bien ce que je suis en train de dire. Chaque citoyen ivoirien a le droit d'avoir une carte nationale d'identité. C'est même un devoir. Si tu n'as pas ta carte nationale d'identité, tu ne peux pas prouver que tu es ivoirien. On est d'accord, hein? En contrepartie, l'État ivoirien, c'est l'État ivoirien qui établit les cartes nationales d'identité. L'État ivoirien a le devoir de prendre les dispositions qui s'imposent pour que chaque citoyen ivoirien entre facilement en possession de sa carte nationale d'identité. Avant, du temps du président Oufouette, vous avez votre carte nationale d'identité, vous allez au commissariat, et le commissariat a le devoir de vous établir votre carte nationale d'identité. On n'attend pas que oui, bientôt on va aller aux élections, donc il faut aller faire les cartes nationales. La pièce qui était indispensable pour aller voter, c'est la carte d'électeur. Ce n'est pas la carte nationale d'identité. Et donc chaque année, toute l'année, les citoyens ivoiriens doivent être capables d'entrer dans un bureau précis qui a la compétence pour se faire établir leur carte nationale d'identité. Et la carte nationale d'identité, lorsqu'elle est établie, elle est établie pour une durée de vie de 10 ans. Au bout de 10 ans, ta carte nationale d'identité est périmée, tu te rends dans le commissariat et puis tu te fais établir ta nouvelle carte nationale d'identité. Aujourd'hui, la carte nationale d'identité est devenue une affaire compliquée. En 2010, entre 2005 et 2010, pleine crise, avec le pays coupé en deux, le gouvernement du président Laurent Gbagbo a pu faire établir les cartes d'identité aux Ivoiriens et ces cartes-là ont été gratuites. Le pays était en pleine guerre et le territoire était coupé en deux. Et on a pu. Alors, aujourd'hui là, où on nous annonce une sortie définitive de la crise, pourquoi on ne peut pas procéder de la même manière pour pouvoir résoudre définitivement la question des cartes d'identité en Côte d'Ivoire. La question de l'identification des Ivoiriens. Parce que là, il s'agit de savoir qui est Ivoirien et qui n'est pas Ivoirien. À l'époque, avec le président Laurent Gbagbo,
On a créé 11 000 postes, centres d'enrôlement. Aujourd'hui, et à cette époque, on avait 6 millions de cartes à établir. Aujourd'hui, on nous annonce le besoin de 11 millions de cartes à établir. Le gouvernement nous annonce 118 centres d'enrôlement. Là où il y avait 11 000 centres d'enrôlement. Et quand on a soulevé la question, ils nous ont dit qu'ils vont créer 4 000 unités mobiles. On ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est des centres d'enrôlement? Est-ce que c'est l'augmentation des effectifs dans les 118 centres d'enrôlement? On ne sait pas. Le problème, c'est ça. Pourquoi la carte nationale d'identité, brusquement, elle va nous coûter près de 13 000 francs? Parce que 5 000 francs, c'est la carte. Mais après, il faut se déplacer, il faut aller faire telle pièce préalable, etc. Ça nous rappelle à environ 13 000 ou 15 000 francs la carte nationale d'identité. C'est ça qui est le problème. C'est ça qui est le problème. Sinon, moi, je vous dis, allez vous faire établir votre carte nationale d'identité. Parce que c'est votre droit. Envahissez les centres d'enrôlement. Si ça ne suffit pas, ils n'ont qu'à se débrouiller pour créer de nouveaux centres d'enrôlement. On leur avait proposé que compte tenu du temps que eux-mêmes ont voulu se donner pour établir toutes ces cartes nationales d'identité, il y a une solution qui est facile. C'est de prendre un décret qui prolonge les cartes existantes jusqu'à après les élections. Comme ça, l'établissement des nouvelles cartes va concerner uniquement ceux qui n'ont jamais eu de carte nationale d'identité ou qui ont perdu les cartes nationales d'identité. C'est tout. Je réitère encore cette proposition-là. Parce que on est dans un pays où on cherche à avoir la paix. Mais allons aux solutions qui amènent la paix, qui enlève le stress, allons aux solutions dans la sagesse, aux solutions qui amènent la paix, qui enlève le stress. Frère, voilà mon point de vue sur la carte nationale d'identité. La carte nationale d'identité là, c'est une carte, c'est une chose qu'il faut aller faire. Devriez-vous aller faire. Bousculez, faites vos cartes. Mais pendant ce temps, on continue de poser des problèmes. Pour que la carte nationale d'identité là, elle devienne gratuite. Qu'elle devienne gratuite. Et que les centres d'enrôlement soient multipliés par au moins 100. 1000 même. Pour que tout le monde puisse facilement se faire établir sa carte nationale d'identité. Et que pour réduire la pression sur ceux, les agents qui sont chargés d'établir ces cartes nationales d'identité, que le chef de l'État prenne un décret pour prolonger les cartes qui existent déjà. Voyez, vous constatez vous-même aujourd'hui que à cause de tous ces petits problèmes, ces petites décisions qui sont inadéquates, vous constatez vous-même que la discussion en vue d'une vraie réconciliation des ethnies, des groupes sociaux, des membres de cette nation-là, ces discussions sont dans l'impasse.
aujourd'hui la recherche d'un véritable consensus pour des élections justes, des élections transparentes, des élections inclusives, des élections équitables. Toute cette recherche-là a complètement échoué. Et les nuages noirs s'accumulent de nouveau sur la tête des Ivoiriens. C'est pour ça que je voudrais encore profiter de ce micro que vous me prêtez là pour inviter le gouvernement à se ressaisir, à mettre bas la terre, en renonçant à des pratiques qui sortent totalement de la gestion démocratique de la société. Il est nécessaire que le gouvernement accepte de s'asseoir avec l'opposition, dans un débat sincère, pour aboutir à un consensus. Parce que le pays a connu la guerre. Le pays a connu une crise profonde. Le pays a connu la destruction du tissu social. Nous, les hommes politiques, les femmes politiques, nous avons le devoir de nous comporter en dirigeant sage, en dirigeant animé d'une volonté réelle de paix, d'une volonté réelle d'épargner à la population de nouveaux traumatismes, de nouvelles pertes en vie humaine, de nouvelles violences inutiles. Quant à vous, militants, sympathisants du FPI, du PDCI. Quant à vous, peuple de Côte d'Ivoire tout entier, moi, je vous exhorte aujourd'hui là, à demeurer attentif à l'évolution de la situation de notre pays, à vous sentir concerné. Pendant que vous faites votre travail sur le terrain, pour apprêter vos fédérations, vos sections, vos comités de base à se former pour les élections, à s'organiser pour les élections, à travailler pour les élections. Dans le même temps, demeurez attentif, suivez de près, parce que les vrais problèmes là, c'est pas de former les électeurs. Ça, c'est quelque chose que vous avez fait déjà et que vous devez faire encore. Mais le vrai débat, c'est d'avoir un environnement consensuel, équitable, démocratique, pour que ce pays-là puisse connaître des élections sans guerre, connaître des élections sans troubles, sans bagarre. La semaine prochaine, l'FPI va faire d'importantes déclarations. Je vous propose d'écouter ça de près. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le peuple de Côte d'Ivoire. Que Dieu lui-même vienne nous aider à organiser la paix et l'unité dans notre nation. Que Dieu mette dans nos cœurs la volonté, le désir de pardon. Que Dieu éclaire les esprits de tous ceux qui, à un niveau ou à un autre, prennent des décisions pour la vie présente et le futur de la nation ivoirienne. Que Dieu nous aide. Que les FPI deviennent toujours un peu plus forts et un peu plus victorieux. Que à part vous ici, quand nous passons, que nous ayons des têtes levées de fierté, parce que nous avons ici un pays, un peuple qui adhère profondément à la vision du Front populaire ivoirien, à la vision de la démocratie, à la vision de la réconciliation, pour que nous ayons une nation forte, une nation prospère, une nation agréable à vivre, et que la paix soit avec vous.
Merci. On va applaudir pour la deuxième vice-présidente du Front Populaire Ivoirien, la première dame Simone Elbe Bobo. Que Dieu bénisse encore, tu dis voilà, merci à toutes, merci à tous, merci à la délégation du PDCI, merci à la délégation.